Déchets radioactifs, évitez les idées reçues. Ça, c'est André et Julie. Et ça, c'est Léa, leur fille de 13 ans. Comme beaucoup de citoyens, André et Julie sont attentifs aux questions actuelles sur l'environnement et l'avenir de la planète. Ils en discutent lors des repas familiaux et c'est l'occasion de débats passionnés entre eux. Aujourd'hui, ils discutent du nucléaire et des déchets radioactifs, car Léa en a entendu parler dans sa classe. Julie pense que les déchets radioactifs sont produits uniquement par les centrales nucléaires. Vrai ou faux? Faux. De nombreuses autres applications utilisent de la radioactivité et produisent des déchets radioactifs. La défense, la recherche, l'industrie, la médecine, l'agroalimentaire, l'art. André a sa petite idée sur ces déchets. Il est persuadé que ceux-ci restent éternellement radioactifs. Vrai ou faux? Faux. La radioactivité disparaît naturellement dans le temps, mais cela peut prendre de quelques jours à plusieurs centaines de milliers d'années selon les déchets. Léa imagine donc que comme la radioactivité disparaît, on peut faire disparaître nos déchets radioactifs. Vrai ou faux? Faux. Les déchets radioactifs ne peuvent pas disparaître comme par magie. Mais il est possible de les isoler le temps que leur radioactivité est suffisamment diminuée pour ne plus présenter de risque. On les stocke dans des centres spéciaux. En fonction du niveau de radioactivité et de la durée de vie des déchets, il existe différents types de stockage. Plus de 90% des déchets français produits chaque année sont stockés dans des centres construits en surface qui existent déjà. Pour ceux dont la radioactivité dure très longtemps, les constructions humaines ne suffisent plus. C'est la géologie qui sert de barrière pour les isoler. La France étudie notamment un stockage à 500 mètres sous terre, dans une roche argileuse imperméable. Désormais, André, Julie et Léa savent mieux comment sont gérés les déchets radioactifs en France. Ils se posent maintenant d'autres questions. Comment réduire notre production de déchets? Les centres de stockage sont-ils dangereux pour notre santé? Comment expliquer à nos petits-enfants nos choix d'aujourd'hui? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.déchets-radioactifs.com.